Salam alaikum, Azulf Laoun, bonjour. Il y a au moins 64 partis politiques en Algérie. De grosses machines, ou pour être plus explicite, de grosses machinations. Comme le FLN ou le RND, directement reliés à la mamelle publique, dans une totale opacité, pour leur faire le sale boulot, celui de mettre en place des décors, de distiller du mensonge, de servir de caisse de résonance, de tout faire pour convaincre les multitudes que nous sommes que le régime est indéniablement l'héritier légitime et naturel de la révolution de 54, que le FLN d'aujourd'hui est indiscutablement le fier successeur du FLN de 54, que l'ANP est indubitablement l'héroïque héritière de la LN et que l'UGTA de Sidi Saïd est incontestablement la courageuse continuation de l'UGTA de Aïssat Idir. Ouf. Mais enfin, astaghfirullah. Hormis ces grosses formations, des attroupements de chalands aux dents longues qui ont considérablement investi en salive et en claque, à tout rompre. Des requins et des crocodiles qui ont fait bambance, qui ont prospéré à l'ombre d'Ali Baba, qui roulent carrosse, qui habitent des résidences cossues, qui dorment sur des bas de laine gonflés de devises étrangères, dont les enfants ont des biens en France et ailleurs, comme cela a été révélé sur Saadani. Hormis donc ces partis qui ont eu l'audace de se qualifier eux-mêmes de partis nationalistes. Il y a aussi des partis islamistes qui ne sont pas loin d'être leur copie barbue. L'un d'eux, le MSP par exemple, entre autres, après avoir longtemps engraissé dans les mangeoires du régime, semble avoir été repris en main par des militants moins voraces, plus moraux. Sinon, pour la plupart de cette soixantaine de partis, le plus souvent, ce sont de petites épiceries politiques que les Algériens ne connaissent même pas. Il y en a même qui ne sont formés que d'une seule famille, d'autres par quelques copains qui usent de leur sigle comme si c'était celui d'une sarle et qui n'en font pas moins de bonnes et petites juteuses affaires sur le dos du bon peuple. Deux autres formations, celles qui formèrent à un certain moment la vraie opposition au régime et qui ont failli le balayer, le FIS et le FFS, sont en plein brouillard, et on ne sait plus quoi penser de ces deux formations. Le premier a été interdit par le régime et sa justice aux ordres. Sa direction a été laminée, dispersée aux quatre vents. Certains parmi ses dirigeants prestigieux ont été lâchement assassinés. D'autres atteints dans leur chair et leur esprit par de longues et pénibles détentions, d'autres corrompus et retournés. Le fils est comme tout le monde, hein, ce n'est pas un aéropage de saints. Le fils, malgré la volonté qui anime certains de ses leaders et leur présence au sein d'initiatives comme celle de la CLTD, ne parvient visiblement pas, néanmoins, à initier des actions fortes à renaître de la vie, à renaître dans la vie politique. Le fils est tellement peu présent en ces temps pourtant cruciaux qu'on en est arrivé à se demander s'il existe encore. De la même manière qu'on ne sait pas si sa base militante existe toujours, si elle s'est régénérée, si elle s'est rajeunie, si elle n'a pas définitivement désespéré de la chose politique, et surtout si le fils est encore en mesure de mobiliser la rue comme il le faisait avant d'être réprimé et éparpillé. Il est même arrivé que des voix discordantes s'expriment en son sein, que deux personnes qui se disent des leaders du fils se fassent recevoir par Ouyahia, dans cette farce que sont les consultations pour la révision constitutionnelle, on va y arriver, avec l'apparat et le protocole de personnalité politique, au moment où d'autres leaders du fils assistaient à la conférence de la CLTD. C'est dire où on est le fils, excusez-moi. Le second, le FFS, a rejoint les travées de la mangeoire
qu'il a pendant si longtemps dénoncé. Il gère l'état de santé de son leader de la même manière que le régime gère celui de Bouteflika. On ne sait rien sur l'état de santé de Ait Ahmed. Nul n'est autorisé à le rencontrer, à lui parler. Il ne s'exprime plus, ne reçoit plus, ne dit plus rien. Il aurait été pris en otage, que cela n'aurait pas été différent. De la même manière que Bouteflika, il est devenu une sorte de vitrine pour ceux qui détiennent derrière lui le vrai pouvoir. Le FFS, après son fameux slogan « ni état policier, ni état intégriste », est finalement entré dans les logiques du système et dans ses institutions de pure façade. Celle-là même qu'il dénonçait comme étant illégitime. Puis, il est passé à une autre forme de ni-ni, ni participation, ni boycott, ni ceci, ni cela, avant de s'engager enfin dans une démarche qui est tout ce qu'on veut, sauf de l'opposition, où il prend désormais le rapprochement entre l'État et l'opposition. Il vient d'annoncer une conférence où il ne prétend rien de moins que de réunir autour d'une même table l'opposition et le régime. Le plus étonnant est que sa base militante, connue pour sa grande discipline, est tétanisée pour le coup. Personne ne branche. Sous peine de subir l'ire d'une frange dont la mission semble consister à décourager toute velléité d'en savoir plus sur l'état du parti, à tirer à boulet rouge sur quelconque ose poser des questions seulement. Donc, pour récapituler, nous avons deux gros partis maison, au service exclusif et inconditionnel du régime, des dizaines d'épiceries politiques qui ne servent à rien qu'à permettre aux uns et aux autres, et aux unes, de ramasser les miettes qui tombent de la table du maître, et deux grands partis d'opposition qui sont l'un sur la tribune officielle et l'autre sur la touche. Il reste quelques partis et quelques personnalités politiques qui affirment se démarquer du régime en même temps qu'ils appellent tout le monde à les rejoindre pour aller vers une transition douce afin de parvenir, disent-ils, à un changement radical de système et aller vers l'avènement d'un véritable état de droit. Ce sont ces partis et ces personnalités de la CNLTD et de l'ANC qui sont en train donc de faire l'actualité actuelle. On ne sait pas encore ce qui en sortira, si les appels à l'armée que certains parmi eux lancent ne sont pas du grand n'importe quoi, si l'idée d'accueillir certains chefs du gouvernement est opportune et si elle ne risque pas d'être plutôt contre-productive. On ne sait pas si cette coordination et cette ANC ont les moyens de leurs ambitions, si elles pourront mobiliser les Algériens ou s'ils n'ambitionnent que de faire des conférences pour parler de choses et d'autres. Nous allons donc en parler aujourd'hui avec Anwar Adam, membre fondateur de l'ANC, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid et membre fondateur de la CNLTD, Madame Neyli, universitaire à Paris, Sofiane Bounajila, ingénieur agronome à Rouat. Alors, nous avons donc Sofiane Gilali avec nous. Sofiane Gilali, merci de nous avoir rejoints. Je vous entends. Ah, merci Sofiane Gilali, bienvenue. Merci. Alors Sofiane Gilali, dites-nous un peu, faites-nous un petit résumé de ce que vous avez fait lors de cette dernière conférence et ce qu'il en est sorti de vraiment concret. Vous m'entendez, Sofiane Gilali? J'entends très mal, mais si vous m'entendez, je peux parler. Oui, oui, on vous entend très bien. J'espère que le problème va être réglé maintenant. Ouais. Si j'ai compris la question, c'est autour des résultats de la dernière réunion qui a concerné l'ensemble des partis de l'opposition. Absolument, absolument. Écoutez, on est dans le sillage de l'esprit de Zeralda. Le 10 juin, comme vous le savez, il y a eu grande réunion qui était publique où chacun des intervenants a eu l'occasion de dire ce qu'il pensait, son opinion. Mais au-delà des discours, c'était le choc psychologique, ce décloisonnement entre l'ensemble des courants politiques qui avaient en tête en face comment construire un état de droit, comment mettre en place des mécanismes réellement démocratiques qui respectent la souveraineté populaire et qu'on sorte le pays vers un avenir beaucoup plus raisonnable et rationnel. Alors,
Lors des résolutions de ce 10 juin, dans cette réunion, nous avions décidé qu'il fallait continuer ce travail de concertation, mais qu'il fallait passer à une autre étape qualitative, c'est-à-dire pas seulement des discours publics cette fois-ci, mais réellement commencer à discuter dans le fond les dossiers et voir l'ensemble de l'opposition. Alors, pour être très clair dans mes propos, il ne s'agit pas pour nous de créer une alliance aujourd'hui. Ça ne se fait pas comme ça. On ne peut pas immédiatement, après une vingtaine d'années de déchirement, passer immédiatement à une coordination d'action, à un même projet, etc. Ça, c'est un objectif beaucoup, beaucoup trop ambitieux et il n'est pas réaliste de vouloir l'atteindre immédiatement. Par contre, c'est tel que le nom de cette entité a été décliné, c'est-à-dire une instance de concertation et de suivi. C'est toute l'opposition qui se préfère, qui se parle, qui s'échange, qui essaye d'entrevoir l'avenir sous une forme commune. Il s'agit pour nous de mettre en place les grands axes d'un état de droit, comment il y ait une contestation possible pour que ensuite les élections se déroulent tranquillement et que le retour à la légitimité soit plein et entier. Donc c'est exactement comme dans n'importe quelle compétition, puisque nous sommes dans une compétition politique, il faut que les règles du jeu soient établies. Si on est dans le football, il faut que le hors-jeu, le pénalty ou la touche soient bien définis. Et puis ensuite que chacun aille former le club qu'il souhaite et qu'il puisse devenir le champion. Donc en politique, ce que nous souhaitons, c'est d'établir un cadre juridique, constitutionnel, légal, qui convienne à la grande majorité et qui soit consensuel. Ensuite, que nous entrions, s'il le faut, dans certaines conditions, en compétition entre guillemets, et laisser la population choisir. À ce moment-là, il y aura des ouvertures sur des alliances, constituer des groupes de partis. Si par bonheur on arrive à être tous ensemble en tant qu'opposition et à peser très lourdement sur la scène électorale, tout le monde sera content. Mais ce n'est pas un objectif strict et il ne faut pas mettre la barre aussi haut parce qu'elle deviendrait les germes de notre Sofiane échec. Gilali, Donc soyons très ambitieux, mais modestes à la fois. Sofiane Gilali, lors de la précédente conférence ou réunion, celle d'avant celle-ci, vous aviez pris entre autres décisions, entre autres considérations, entre autres priorités et buts. Vous avez dit que vous alliez aller vers la population, aller vers les gens. Or, depuis la précédente et celle-ci, on n'a pas beaucoup vu les gens de la CLTD. Du moins, on n'en a pas entendu parler au niveau des populations, des quartiers, des. Vous avez raison. Simplement, dites-vous, le 10 juin, lorsque nous avions fini cette conférence, il fallait immédiatement entamer d'abord la révision de la plateforme qu'on avait proposée. Donc, ça a demandé des heures de travail. Ensuite, il fallait renouer le contact avec chaque parti pour préparer à la rentrée cette réunion. Ensuite, durant le mois de Ramadan et durant le mois d'août, malheureusement, vous savez que les Algériens n'étant pas très mobilisés, il était difficile d'organiser quelque chose en public, mais malgré tout cela, je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup d'activités. Certaines ont été interdites. C'était le cas d'une réunion autour du thème de la transition démocratique, mais nous avions aussi fait plusieurs sorties en commun. Il y a eu la problématique de Gaza, le drame de Gaza, cette offensive inacceptable que vous avez couvert vous-même pendant de très longues semaines. Donc nous n'avions pas déserté le champ, mais les conditions n'étaient pas réunies pour aller directement sortir sur le terrain et faire campagne, j'allais dire. Mais c'est toujours à l'ordre du jour. Il s'agit pour nous d'abord de se mettre d'accord avec l'ensemble de l'opposition sur un certain nombre de règles, de passer à un gentleman agreement, si vous voulez, pour que les gens se respectent et qu'on puisse élargir cette alliance. Cela est bien compliqué. Vous le savez, depuis 20 ans, ça ne s'est jamais fait
Et tout le monde reconnaît cette phase qualitative historique pour l'opposition. Donc, ce n'était pas très positif que nous construisons, mais lentement, sans précipitation. Et il faut aller vite, mais sans être dans la précipitation, parce que cela ne conduira à rien. Maintenant, durant ce mois de septembre, et surtout à partir d'octobre, encore une multitude de sorties sur le terrain avec la CLTD, et le pôle du changement, avec d'autres partis politiques, avec la classe, les représentants de la société civile, etc. Donc voilà un peu comment monter en cadence. Il ne s'agit pas de vite, on l'a dit et c'est fait. Ça, si c'était aussi facile, il y a longtemps que cette baguette magique aurait été agitée. Ce n'est pas le cas, mais sincèrement, je crois que pour la première fois, l'opinion publique commence à s'intéresser à ce que fait l'opposition. Elle commence à avoir un peu d'espoir. Ce n'est pas encore gagné. Il y a encore du chemin à faire. Nous avons en face de nous un régime retors qui est prêt à tout pour rester, quitte à tuer le pays en entier. Donc, voilà, avec les moyens qu'on fait, on essaye d'avancer. Restez avec nous, Soufiane Djilali, mais je crois qu'il vaudrait mieux que nous vous reprenions au téléphone parce que il y a un retour. Malheureusement, on vous entend bien, mais il y a un retour de son. Donc, nous allons accueillir à présent Madame Nelly, universitaire à Paris, qui est très impliquée dans la vie politique de notre pays. Madame Nelly, merci de nous avoir rejoints. Oui, bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, mais je vais vous poser deux questions et je vais commencer une question après l'autre. La première est, est-ce que vous trouvez que cette initiative de la CLTD et de l'ANC aussi sont crédibles? Tout d'abord, donc, je rappelle que la CLTD, c'est une initiative politique pour le changement qui a surgi à un moment où nous étions pratiquement désespérés d'une telle approche qui verrait le jour en Algérie. Raison pour laquelle, selon moi, l'initiative n'a pas suscité ou n'a pas encore suscité beaucoup d'intérêt, ni d'enthousiasme particulier, il faut le dire. Par ailleurs, la composition de la CLTD par des partis politiques qui, pour certains, souffrent d'une image négative du fait de leur trop longue proximité avec le pouvoir, par exemple, sinon carrément enfant du pouvoir pour certaines personnalités, n'arrange pas vraiment les choses non plus. À vrai dire, moi, je pense que la nature de ces membres est à la fois une force et une fragilité. D'abord, la présence de personnalités proches du pouvoir est un atout pour tous ceux, nombreux, qui aspirent à un changement, disons, fluide, qui soit véridique, mais pas radical, où rien ne s'effondre, pour les prudents, si vous voulez. Il est difficile à définir ce type de changement, mais il est bien perceptible, on peut qualifier de changement prudent. Donc, les personnalités liées au pouvoir rassurent dans ce sens les partisans de ce type de changement. Mais même dans l'absolu, il n'y a pas de changement possible qui n'implique pas le régime. Donc, c'est évident que des personnalités issues du régime rejoignent une telle initiative pour le changement à un stade aussi prématuré et plutôt réjouissant. Ils facilitent la tâche, en tout cas, à la CLTD, puisqu'ils auraient été présents du premier jour, ils ont leur mot à dire tout le temps et influeront même le cours de l'histoire, et ce n'est pas une mauvaise chose. J'y reviendrai pour développer ce point. Maintenant, la faiblesse réside justement dans la crédibilité que représentent ces partis et ces personnalités. Aux yeux de beaucoup, disons-le clairement, les partis politiques algériens n'ont aucune crédibilité. C'est un argument qui revient souvent, il est fort et il est vrai. Mais moi, j'ai envie de retourner la question quand même comme suit. En quoi croyez-vous que ceux qui n'ont jamais occupé de poste ministériel ou n'ont jamais fait partie d'anciens partis sont-ils plus crédibles que les autres? Nous les avons jamais vus à l'œuvre, après tout, nous n'en savons rien. Rien ne nous dit qu'ils se comporteraient différemment. À vrai dire, un système malsain ne peut produire que des comportements malsains, quand bien même la bonne foi et la bonne volonté soient présentes. Voilà pourquoi rien ne va dans notre pays, les partis politiques inclus. Et donc c'est au contraire l'établissement d'un cadre dont les contours sont clairement définis, les règles bien établies, qui sera le garant du bon déroulement du processus, et non pas la crédibilité des gens à titre individuel. Même si elle est importante, elle est loin d'être suffisante. On pose les bonnes balises qui canalisent le comportement, orientent l'initiative et limitent l'éventuelle nuisance de certains. Donc c'est à la CLTD de définir ce cadre entre guillemets sain dans lequel tout le monde, y compris des personnes peu fiables, pourront évaluer de façon saine. Concernant maintenant la fiabilité ou la crédibilité de l'initiative elle-même, je pense qu'il faut revoir d'abord la chronologie. Le maintien du quatrième mandat, le mandat de la honte, a provoqué un ras-le-bol généralisé exprimé par des personnalités diverses, mais aussi et surtout par des gens proches du régime. Eux plus que d'autres, je dirais, car ils bénéficient de plus de liberté de ton, car ce sont en quelque sorte protégés par leurs clans respectifs, si vous voulez.
là plutôt malin. Bouteflika imposé quand même, on s'attendait, moi en tout cas, à l'extinction de la coordination et même du concurrent Benflit, etc. Et à notre grande surprise, ils sont toujours là, ils persévèrent, donc c'est plutôt réjouissant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc pour conclure un peu sur ce point de la crédibilité, j'en viens toujours à l'exemple tunisien qui est riche d'enseignements. Et je suis remarquée que, hormis peut-être El Majouri, dans l'entrée en politique, a été salué, il nous a fait plaisir après la chute de Ben Ali, le retour de Hanouchi, aussi salué par des millions de Tunisiens, tout le reste de ceux qui ont pris la transition par les cornes ont été des éléments, j'allais dire négativement, réchauffés. Et c'est normal, on fait avec ce qu'on a, les structures de parti existent, la logistique est en place, ne serait-ce que pour les locaux, l'autorisation de conférences, etc. Donc c'est plutôt un atout. J'en ai longuement discuté à l'époque avec des amis tunisiens, car j'étais un peu sceptique, hein, vu les têtes qui s'exprimaient après la chute de Ben Ali. Mais eux avaient un magnifique discernement, ils me disaient tel ou tel n'est pas convaincant ou même dangereux, mais il ne sera pas le seul, ce sera un travail collectif, certaines personnes vont mettre la pression, etc. Et en fait, ils avaient compris que le processus de changement est en fin de compte un rapport de force permanent, chacun tire de son côté. Qu'il y ait des gens du régime qui rassurent les gens qui sont proches d'eux, ce n'est pas une mauvaise chose, ça garantit même que le processus se fera en douceur, sans trop de casse ni trop de risques. Ils n'auront pas toutes les garanties, ils en auront à hauteur de leur présence, ils ne vont pas tarder à comprendre, à mon avis, l'avenir nous le dira. De la même manière que les partis défendront l'intérêt du peuple, c'est absolument comme cela que l'Europe s'est construite et s'est démocratisée. Le Sénat, donc le bicamérisme, il a prévu deux chambres, le Sénat a été imaginé pour défendre l'intérêt de la bourgeoisie, les députés, quant à eux, ils défendent l'intérêt du peuple, et cette cohabitation... Et ce rapport de force a duré des siècles, donc je pense plutôt c'est plutôt une bonne chose telle que les choses sont parties. Moi, je suis plutôt optimiste. Voilà. Je vous poserai la deuxième question après un court intermède que nous allons observer maintenant. Donc, à tout de suite.
Salam alaikum, Jadid, rebonjour. Madame Naïli, donc une deuxième question, si vous permettez. Dans ces conditions, qui sont objectives, hein, ça veut dire où les gens ne font plus confiance à la chose politique, comment voulez-vous que les gens fassent confiance à une initiative plutôt qu'à une autre? Oui. En fait, est-ce qu'on peut leur faire confiance? En fait, c'est vraiment la question qu'on voilà, pose. Exactement. Moi, je pense d'abord qu'il faut, pas rejeter pour rejeter. Il faut attendre et juger sur pièce. S'il y a une chance sur 1000 que certains membres de la CATD soient sincères dans leur démarche, pourquoi leur mettre des bâtons dans les roues? La CLTD est au pire, à mon sens, une initiative obsolète. Nous sommes d'accord. Au pire, ça ne sert à rien. Elle n'est pas dangereuse, que je sache. Alors pourquoi devra-t-elle déchaîner des passions contre elle? Ce n'est pas rationnel, à mon sens. Donc pas de confiance aveugle, mais pas de rejet non plus. Irrationnel. Il faut suivre de près. De toute manière, à mon sens, les intentions des uns et des autres se clarifieront au fil des réunions. Si elles sont suspectes, ça va se voir. J'étais persuadée à titre personnel que certains participants au premier congrès n'allaient pas renouveler leur adhésion. Car autant la première conférence qui a eu lieu dans un cadre, disons, prestigieux, bon, pourquoi pas, était symbolique, les participants étaient plus présents, à mon avis, pour s'exprimer et pas forcément pour plus. La vraie première réunion de travail, donc d'engagement véritable, était celle qui vient d'avoir lieu, celle du RCD, et qui ouvrira, j'espère, la porte à une série de réunions plus rapprochées et plus concrètes. Je pense que la condition de la confiance est la transparence, au moins dans la communication. Les membres de la CLTD doivent s'imprégner de l'idée que les gens qui les suivent ne sont pas dupes ni naïfs, ils sont très au fait de ce qui se passe, ça ne sert à rien de leur cacher des choses ou faire de la politique politicienne, ça sera tout simplement contre-productif. La CLTD devra donc évoluer dans un terrain que moi je qualifie d'hostile. D'une part le régime qui à peine la tolère, et d'autre part une population sceptique vraiment dans le meilleur des cas, sinon complètement désintéressée. Donc le chantier est très gros, les défis sont de taille. Les initiatives qui vont précéder ou qui existent là en ce moment, elles sont restées à leur tour lettre morte. Hein, le peuple n'a pas adhéré. Donc la CLTD ne prend pas plus de responsabilités que d'autres. Il lui appartient de persévérer. Et à mon avis, c'est ce qui va faire la différence. C'est même une fatalité. Je reviens toujours à l'exemple tunisien. Les débats qui ont eu lieu dans la Rassemblée constituante, par exemple, sont exactement de même qualité que les nôtres. Nous sommes vraiment au même niveau. Simplement, eux ont appris à persévérer. Ce n'est pas une réunion qu'ils ont organisée, mais des milliers de réunions. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de génie. À force de travail, on finit par arriver à quelque chose. Donc, c'est tout ce que je souhaite à la coordination, de multiplier donc, les rencontres, les réunions. On a envie d'entendre des débats houleux, des débats d'idées. On veut vraiment être au courant de tout ce qui se passe. Moi, en tant que titre personnel, je leur souhaite de persévérer, de ne pas baisser les bras au bout de la première difficulté. Merci. Voilà ce que je pense de votre question. Merci, Madame Naïli. Essayez de rester avec nous si vous le pouvez. Sinon, merci. Nous essayons depuis tout à l'heure d'obtenir Soufiane Belhajila. Il se passe qu'on n'y arrive pas. Mais nous allons recevoir maintenant Anwar Haddam, membre fondateur de l'ANC. Si Anwar Haddam, merci de nous avoir rejoints. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Si Anwar Haddam, d'abord une question liminaire, j'allais dire. L'ANC, la CLTD, deux initiatives. Sauf qu'on entend plus parler de la CLTD que de l'ANC. Pourquoi éprouvez-vous de la difficulté à être aussi visible que la CLTD? Écoutez, et c'est dans le même, en essayant de répondre à votre question, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je vous salue, vos invités. Merci. Et les téléspectateurs. Merci. Vous avez dressé un tableau sombre, assez sombre, de la situation de l'opposition politique en Algérie, et qui n'est pas très loin de la réalité. Cependant, je pense que les téléspectateurs devront, je voudrais prêter leur attention sur le fait que ce tableau sombre, cette situation sombre, cette situation floue de la classe politique algérienne, elle n'est qu'à l'image du pouvoir en place à Alger. Et elle n'est qu'à l'image de l'État algérien actuellement, qui a un blocus total de la situation politique en Algérie. Et je comprends lorsque votre invité, si Soufiane Djilali, dit qu'il est très difficile maintenant de parler d'alliance lorsqu'il était en train de parler sur leur Tansiqiya.
parce qu'il n'y a pas eu de dialogue, il y a un blocage total, il y a un vide total dans la scène politique algérienne. Je voudrais cependant, je comprends lorsqu'il dit ça, mais c'est pour ça que nous, nous attendons les autres. Parce que franchement, nous, au sein de l'ANC, les membres fondateurs de l'ANC agissent depuis des années, loin des médias peut-être, et pour essayer de créer ces passerelles entre les différents courants politiques, comme à l'instar du contrat national de Rome, et pour essayer d'avoir des accords politiques comme ça, et essayer de trouver des solutions pratiques à la crise multidimensionnelle que vit l'Algérie. Donc, cette situation semble un écart d'image du pouvoir en place à Algérie. C'est pour ça que nous nous attendons les autres, essayons d'ouvrir. Nous sommes ouverts à toute initiative qui permettrait aux gens de discuter entre eux. Cependant, nous pensons que, et je voudrais bien préciser sur ce point-là, que toute entreprise politique, elle doit être claire. Elle devrait être claire et des objectifs clairs et qu'elle soit pertinente. Parce que j'entends parler qu'il y a des gens qui essayent de trouver, il y a une certaine opposition, qui essayent de trouver un cadre juridique, un cadre constitutionnel afin d'exercer leur opposition. Ça, justement, je pense que le problème réside là. C'est que, en l'absence d'un état de droit, en l'absence d'une constitution qui reflète le choix du peuple, nous sommes en train de tourner en rond. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut aller vers le peuple. Il faut aller vers le peuple. Il faut avoir cette mobilisation populaire afin que... on pourra alors essayer d'exercer une certaine pression sur le pouvoir en place pour qu'il accepte un changement pacifique. Pour et être aussi, plus clair, il ne faut pas éluder des questions de fond. Pour être c'est plus ça clair, ce que nous sommes en train de faire au sein de l'ANC. Nous nous préparons, nous nous connaissons, c'est une alliance et on essaie de l'élargir. Ce n'est pas facile parce qu'il a été bien dit que les gens ne se comprennent pas. Donc élargir ce petit cercle, il est petit peut-être maintenant, mais il est profond. Et c'est un cercle qui est vraiment prêt à affronter ces problèmes, à aller vers le peuple et discuter sereinement autour de ces points fondamentaux concernant le processus démocratique, concernant la place de la religion dans l'État, concernant la place de l'institution militaire dans l'État, etc. Tous ces points-là, il faut essayer et d'être patient afin de continuer ce combat politique. Nous n'avons pas commencé hier, c'était bien longtemps. Il faut être ouvert à tout le monde, tous ceux qui sont vraiment pour un véritable changement. Anwar Haddam, vous dites que vous semblez reprocher à la CLTD d'agir dans un cadre quasi formel, ça veut dire dans l'enceinte du régime, quoi. Ça veut dire il joue dans le stade du régime. Sinon, est-ce qu'il y a le choix? Est-ce qu'il est possible de faire autrement, d'agir politiquement en dehors de l'État, en dehors de son autorisation, en dehors de ses salles, en dehors de son contrôle? Non, je ne suis pas en train mais on essaie de comprendre, il a bien dit, c'est Guillary, ils sont en train de chercher pour un cadre juridique et un cadre constitutionnel. Or, c'est ça le hic. Oui. Le problème, c'est que l'Algérie vit dans un état de non-droit. Il n'y a pas, on ne peut pas parler d'un cadre juridique dans un état de non-droit. On ne peut pas parler d'un cadre constitutionnel dans un état où la constitution, elle est... On est d'accord, c'est Anwar Eddem. C'est Anwar Eddem. Entre les pieds de ceux qui sont en place à Alger. Donc, on est d'accord. Je comprends la situation. C'est Anwar Eddem. On est d'accord. On est d'accord. Moi, personnellement, j'entends bien ce que vous dites. Mais est-ce que c'est dire. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État de droit, ce régime est illégitime, le Parlement n'est pas un Parlement, la Constitution n'est pas une Constitution, c'est un régime qui a usurpé, qui a squatté la République, il ne faut pas négocier avec lui, il ne faut pas discuter avec lui, il ne faut pas discuter dans son cadre, ni le rejoindre, se réfère sa logique. Est-ce que vous êtes en train de dire ça?
Je pourrais répéter, vraiment, je n'ai pas entendu la question. Oui. Je veux dire, vous êtes en train de nous dire, et vous avez raison, personnellement, je pense comme vous, que cet état de non-droit, c'est un régime qui est illégitime, la Constitution est trafiquée, l'APN, c'est une fausse APN qui a été mal élue, qui ne représente pas le peuple algérien. Donc, il ne faut pas discuter avec cet état, il ne faut pas discuter dans ses enceintes, il ne faut pas le reconnaître, il faut agir carrément pour le chasser et pas pour l'inviter à partir. Non, non, je ne dis pas totalement cela, parce que aussi, le seul moyen d'avoir une action politique pacifique, c'est d'inclure justement ceux qui sont en place, ceux qui sont au pouvoir, parce qu'on ne peut pas parler de changement pacifique sans la participation de ceux qui ont le pouvoir effectif. Donc c'est là le problème. La question ici, c'est comment arriver à les faire pousser vers ce changement pacifique. C'est ça ce que nous prenons au sein de l'ANC, c'est d'aller vers le peuple, effectivement. C'est d'avoir cette mobilisation populaire par le biais d'une méthode qui permettrait au peuple de refocuser, d'avoir les véritables problèmes de fond. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre région. La situation est vraiment très grave. Donc il est temps que même ceux qui sont en place à Alger, qu'ils acceptent de dialoguer avec ceux qui représentent le peuple et avec le peuple. C'est ça la question fondamentale maintenant. Restez avec nous, madame. Sofiane Gilali, vous nous entendez? Sofiane Gilali. Par contre, votre autre invité, je n'ai pas pu suivre. Il y a un petit problème technique, je crois. Je crois, oui. Mais Anwar Adam, vous avez pu entendre ce qu'il a dit. Très bien entendu. Et justement, il m'inspire plusieurs réponses. Ah ben, d'abord, nous... je salue et je salue tous les amis que je n'ai pas eu l'occasion de saluer auparavant. Je crois que petit à petit, on est en train d'aller au fond des vrais problèmes du pays. Et avec une démarche intelligente. Alors, je commence par m'expliquer un peu sur, peut-être j'ai fait une la CLTD ne cherche pas pour elle ou pour notre action un cadre constitutionnel local. Sofiane Gilali, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez baisser le son? Peut-être il y a un problème, il y a un retour de son de votre probablement caméra ou de votre micro-ordinateur. Ni la position, ni absolument rien. D'ailleurs, la dernière réunion, il y avait des gens qui étaient sans parti politique, il y avait des personnalités, il y avait des gens qui appartenaient à un parti politique qui avait été dissous entre-temps. Donc, ce n'est pas à nous de donner la norme, le droit. Nous, ce qu'on veut, c'est que toutes les personnes et toutes les entités politiques qui ont quelque chose à proposer, qui ont une vision pour l'Algérie, qui ont une base, qui ont une opinion, même si elle est réduite pour le moment, c'est ce monde-là qu'on voudrait qu'on se concerte ensemble. C'est le cas de certains universitaires, c'est le cas de représentants de la société civile. Vous savez, ils n'ont derrière eux ni association ni autre, mais ce sont des gens très actifs sur la scène médiatique, ils sont connus, ils ont des positions très raisonnables, rationnelles. Donc voilà, premier point. Ce qui nous importe, c'est tous les Algériens, sans aucune exclusion, qui ont quelque chose à dire pour l'avenir du pays. Nous aimerions discuter avec eux, et donc y compris avec l'ANC, sans aucun problème. Le fait peut-être qu'ils soient plutôt basés à l'étranger a fait qu'il y ait probablement quelques lourdeurs de contact. Voilà, il n'y a rien d'autre derrière. Maintenant, ce que dit M. Hedem est très juste. Nous cherchons tous une évolution qualitative à la situation du pays, en sachant que ce régime est arrivé au bout du rouleau, que toute la situation politique autour de nous est très mauvaise et qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Donc on veut aller vers une transition tranquille, et cette transition ne peut être tranquille que si une partie du pouvoir, au moins, si ce n'est tout le pouvoir, qui s'associe à cette opération-là. C'est un peu difficile pour le pouvoir parce que nous sommes en train de lui dire « Venez, on va s'entendre, remettez les clés du pouvoir et partez ailleurs ». On l'a dit plusieurs fois sous forme de petites phrases pour faire prendre conscience aux gens. Nous sommes là pour les aider à s'en aller. C'est à eux de partir maintenant. Mais bien sûr, il y a des peurs et il y a la peur des règlements de compte parce que c'est eux qui ont introduit la culture des règlements de compte.
C'est M. Moutibrika en venant qui a commencé à régler ses comptes personnels avec les gens. Donc forcément, il y a une inquiétude chez M. Moutibrika et son entourage. Ils doivent se dire que les autres sont comme nous. Nous, nous sommes venus avec la vengeance. Les gens auxquels on a fait du mal, ils vont se venger. Et donc, nous sommes dans une dialectique un peu compliquée. On souhaiterait que tout le monde accepte cette idée-là, que le pays est au-dessus de nous, que le pays, les intérêts de la nation sont au-dessus des intérêts des personnes, et que s'il y a un changement fondamental, il ne doit pas venir se reconstruire sur des vengeances, mais simplement commencer à construire quelque chose la main dans la main avec tous. Pour arriver à ce stade, il faut d'abord que l'opposition en entier se parle, que les cloisons qui la séparaient s'effondrent, qu'il y ait un début de prise de conscience même au niveau de la population. Donc, ça demande un peu de temps. Et à partir de ce moment-là, cette opposition pourra aller discuter avec le pouvoir en place. Alors, c'est quoi ce pouvoir en place? C'est actuellement une présidence, mais une présidence vacante, mais c'est un pouvoir éclaté. Alors, vous avez au niveau du gouvernement, une partie au niveau du chef d'état-major, une partie au niveau des services de sécurité. Et on ne sait pas, peut-être que d'autres, avec le FLN et d'autres, on ne sait pas, c'est un pouvoir éclaté. Alors, eux-mêmes, le pouvoir est dans un état de division extrême, Mais avec à des ce tensions sujet, entre nous. Sofiane Donc, Gilali, il s'agit Sofiane toujours Gilali, des partenaires. C'est Sofiane comme cela Gilali, que Mouloud Hamrouch a parlé à Sofiane plusieurs Gilali, est-ce reprises. que vous m'entendez? Sofiane Gilali, L'armée, comme une institution centrale avec encore du poids, ne Sofiane peut et Gilali, Sofiane Gilali, il semble qu'il y ait un problème technique de son, hein. Est-ce que vous m'entendez, Sofiane Gilali? doit être absolument s'inscrire dans la Constitution avec des responsabilités bien claires, mais que vu la situation très trouble actuellement, il faut qu'il y ait leur participation, mais Sofiane simplement de Gilali, cette Sofiane transition. Gilali, Voilà un je peu vais où être c'est qu'on obligé est. de vous Quand on interrompre parce que. discute aussi librement avec des opposants de partout Sofiane du pays. Gilali, je suis obligé de vous interrompre. Vous allez être pris en charge par la régie technique qui va vous expliquer qu'il y a un problème de son et probablement de retour. On n'a pas le problème avec Anwar Adams qui doit être donc dû à votre micro-ordinateur peut-être. Si Anwar Adam, si Anwar Adam, Anwar Adam, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je voudrais vous poser deux questions. J'aimerais que vous me répondiez de façon assez succincte pour pouvoir avancer. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces appels à l'intervention de l'armée, sous une forme ou sous une autre? Qu'il y a des gens qui demandent à l'armée de bien vouloir convaincre Bouteflika, d'autres qui font carrément un appel du pied sous des formes ampoulées, mais dont on comprend qu'ils l'appellent à perpétrer un coup d'État, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces appels à l'armée? Oui, ces appels à l'armée actuellement proviennent de la culture des uns et des autres, de leur compréhension de l'histoire. Pour nous, c'est le peuple algérien qui s'est libéré de lui-même. Ce n'est pas l'armée qui a libéré le peuple algérien, c'était une armée du peuple, c'était le peuple qui a libéré. Donc, et dans tout État moderne, il faut qu'il y ait un contrôle démocratique des forces armées. Il faut qu'il y ait que l'armée doit être au service du peuple par le biais de ses élus, démocratiquement élus, et c'est ça le débat de fond. Il s'agit, mais maintenant, il faut partir de la réalité. La réalité, c'est que l'armée, maintenant, c'est la poêle, c'est la moelle épinière, c'est le fondement de l'État algérien actuel. Donc, on ne peut pas penser un changement sans la participation de cette armée, mais ce n'est pas dans le but qu'elle continue cette situation. Mais c'est vers la démocratisation des forces armées. Ouais, allô, vous m'entendez, Anoradam? Oui. Alors, ma deuxième question est, Oui. que pensez-vous de, vous ne voyez peut-être pas parce que c'est une émission qui est en différé, que pensez-vous de la présence, ou du moins de l'invitation, de cinq anciens chefs du gouvernement à participer à cette conférence? Qu'en pensez-vous très honnêtement et très directement?
Très directement, comme je vous l'ai dit, nous, au sein de l'ANC, nous avons cette culture du dialogue, cette culture de la diversité. Ça nous a pris des années à arriver au stade d'une alliance réelle. Donc, nous sommes ouverts à tout dialogue. Nous sommes ouverts à la participation de tous, tous ceux et celles qui voudront vraiment qu'il y ait un changement véritable du système politique en Algérie. Donc, la question n'est pas là. La question, ils peuvent inviter tout. Par exemple, et je voudrais bien profiter de cette occasion pour lui dire que l'ANC est présente en Algérie. Les membres de l'ANC sont présents en Algérie. Le mouvement pour la liberté et la justice sociale est présent en Algérie. Le mouvement Rachad est présent en Algérie. Le mouvement de Sikarim Tabou est présent en Algérie. Donc, il ne s'agit pas. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut, mais que ces gens-là viennent pour diriger ou pour être des leaders d'un tel changement, ça demande du temps pour qu'ils s'adaptent à cette culture d'accepter tout le monde, cette culture de changement. Et ça, c'est pas facile. Yani. Sinon, Noureddine, que pensez-vous de l'absence remarquée du fils, en tant que fils, et de l'engagement du FFS dans une voie qui semble indiquer qu'il a rejoint carrément le côté du régime, quoi. Que pensez-vous Pour moi, de la ces deux question? attitudes? Oui, elle est pour vous, oui. La question pour moi, si je... Oui, c'est Anwar Eddam, elle est pour vous, oui. Ok. Non, enfin, le Front islamique du salut, il y a le président, il y a le vice-président du Front islamique du salut. Vous pouvez le poser la question directement. Moi, je pense en général, ou bien que la situation dépasse tous les partis politiques, parce qu'il y a cette manipulation de la scène politique par le pouvoir en place à Alger. Donc, il s'agit actuellement de reconstruire la scène politique en Algérie, de reconstruire l'État algérien. Après cela, on pourra parler de partis politiques. Quant au FFS, c'est la même chose. Il faut comprendre les uns et les autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne veut pas que cette question de changement, de ces efforts, cette concentration vers le changement politique en Algérie, qu'on revienne à discuter et avoir ces querelles internes entre les différentes tendances au sein de l'opposition. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce front large de toutes les forces politiques en Algérie qui sont vraiment mûres, assez mûres, pour accepter la culture de la diversité, pour accepter véritablement de travailler ensemble, pacifiquement, mais sereinement, vers un changement réel du pouvoir en place à Alger. C'est Anwar ça ce qui Eddam, nous intéresse le Anwar plus. Eddam, de nombreux observateurs, très avertis, très au fait de ce qui se passe, pensent qu'en ce moment, il se passe vraiment quelque chose au sein du régime après le limogeage spectaculaire de Belkhadem et des 13 ou 14 autres, dont des chefs de région, des généraux, des conseillers, etc. Alors on dit que le régime, au sein du régime, c'est vraiment la panique, il se passe des choses graves dont personne ne sait rien en fait, et que il y a un véritable risque d'explosion, que l'heure est cruciale, que l'heure n'est plus aux palabres, aux réunions stériles, qu'il faut vraiment trouver des moyens d'agir. Vous-même, que pensez-vous de la situation et que pensez-vous de son développement éventuel vers des extrêmes, que personne ne peut souhaiter? Je vous dis franchement, la situation est vraiment très grave. La situation est grave. Ce n'est pas essayer de faire une houboul halaoula, mais vraiment, la situation est grave. Notre sécurité nationale est en jeu. L'État algérien lui-même, en tant qu'État, quantité, la situation est vraiment très grave parce que ce pouvoir en place, il est dans sa fuite, dans sa logique de fuite en avant, en essayant de plaire aux uns et aux autres. Mais en oubliant le peuple algérien, il oublie que l'autorité politique doit émaner du choix du peuple. La force de l'autorité politique d'un pays provient de ce choix du peuple. Donc, il est temps justement d'arrêter ça, cette fuite en avant. Il est temps, mais nous aussi au sein de l'opposition, bien que j'aime pas ce mot opposition, parce que it happened que moi-même, je devais être au pouvoir et c'est ces gens-là qui ont fait un coup d'État contre nous. Donc, mais disons que la classe politique algérienne doit mûrir afin de n'exclure personne, même ceux qui sont en place. Il faut leur faire comprendre
que nous voulons le bien de tous. Nous voulons qu'il y ait un véritable débat national, populaire, sur les questions fondamentales, parce que l'Algérie est très importante du point de vue géopolitique, du point de vue de la question nord-africaine, et aussi des intérêts des peuples de notre région. Donc il est temps d'avoir un pouvoir fort, et sans opposition forte, il n'y a pas de pouvoir fort. Donc il est temps que tout le monde mette de côté ses querelles, mette de côté ses calculs personnels, et essayer de penser à toute l'Algérie, penser à toute l'Afrique du Nord, penser au monde arabo-musulman. C'est ça le fond qu'il faut. Anwar Adam, merci beaucoup. Merci pour cette sagacité, merci pour ces conseils, pour cet éclairage. Nous excusons auprès de M. Sofiane Gilali de n'avoir pas pu le reprendre à cause d'un problème technique. Merci, en espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum, Azoul.